Situé à plus de 10 km de l'extrême sud de la capitale tchadienne, Gaoui est un village reconnu par sa poterie. Les visiteurs l'ont surnommé le village de l'argile. Plusieurs projets en vue de faire la promotion de cette richesse artistique ont été envisagés, mais la réalisation tarde. C'est ainsi que Mandoué Célestin, un artiste musicien, décide de mettre en place un projet artistique qui offre des opportunités au public de découvrir les potentialités artistiques de ce village. Le randonnée artistique est son nom de baptême. Le lancement du randonnée artistique de Mandoué Célestin a fait l'objet d'une cérémonie riche en couleurs. À Gaoui, cette richesse naturelle qui est l'argile est exploitée partiellement par la population en poterie. Les objets d'art issus de cette poterie sont difficilement vendus. Pour l'artiste Mandoué Célestin, son projet a pour but de faire découvrir au public et les touristes cette richesse naturelle. C'est la maison de l'argile. Mais ce qu'on va lancer maintenant, ça va être le village de l'argile. C'est-à-dire qu'on veut faire sortir cette activité pour permettre à ceux qui vont effectuer le déplacement de la ville pour être ici et les habitants de Gaoui. Un projet qui va mettre les gens ensemble pour travailler ensemble. Mais ça va rester quand même dans la distraction. Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens qui viennent au Tchad et puis qui s'arrêtent juste en Ndjamena. L'idée c'est qu'ils viennent et puis ils vont payer. Donc il y a l'aspect économique aussi qui va sortir. Si on a 200 personnes qui payent 15 000 francs pour venir faire cette randonnée, ça va nous donner 2 millions pour le village. Donc c'est des projets économiques aussi, artistiques et touristiques. Séduit par ce projet, le sultan de Gaoui, Hassan Abdoulaye, affirme que son sultanat est prêt pour accompagner ce projet. Gaoui est un village où l'argile constitue une richesse pour la population. Grâce à cette matière première, la population se donne à la fabrication des canaries et des objets d'art. Malheureusement, ces œuvres d'art ne sont pas connues du grand public à cause de plusieurs raisons. Aujourd'hui, avec le projet de notre petit frère, Mandoué Célestin, nous sommes ravis que ce projet va porter et la poterie de Gaoui.